Y'a plus que vers ces Scratty, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Last Day on Earth, mais aujourd'hui nous ne sommes pas sur le jeu. Non, on est sur un site que Ken Rock Mordecai. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. C'est un site que m'a donné Ken Rock Mordecai dans les commentaires d'une de mes vidéos. Il m'a proposé ce site, donc c'est Last Day on Earth survival.fandom.com. Donc en fait, c'est un wiki de Last Day on Earth, je pense que certains d'entre vous le connaissent, mais d'autres non, qui va répondre à des questions que j'ai reçues durant mes lives. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il est à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est géré par les gens. En fait, vous pouvez vous inscrire et après, vous pouvez compléter le wiki. Donc, il y a énormément d'infos. C'est en full anglais. C'est en full anglais. Vous aurez le lien dans la description. Et de toute façon, si c'est en full anglais, moi, il y a un site que je vous conseille, c'est hop. DeepL, hein, DeepL, ça marche très bien. Ou alors, clic droit, traduire, mais là c'est Google Trad, voilà. Donc, vous aurez le lien du site dans la description pour ceux qui se posent plein de questions, et notamment, parce que j'ai eu la question cette nuit, à propos de la cuisine. Quelles sont les recettes de cuisine disponibles dans le jeu et quels sont les buffs qu'ils donnent? Parce que moi je ne les connais pas tous. Eh bien, c'est simple. Là, je suis sur la page principale. Hein. Là, il y a food. Hop. Donc là, il y a toutes les nourritures du jeu, et quand on descend un petit peu plus, non, c'est où? C'est là. Kitchen, ouais, c'est la cuisine. La kitchen, la cuisine. On descend. Et ici, nous avons toutes les bouffes disponibles dans le jeu, avec les recettes qu'il faut. Donc ce qu'il faut ici pour ce que ça donne, donc le buff que ça donne, la durée que ça donne, et la durée, et en plus, ils ont bien fait, ils ont fait ça proprement. La durée est basée en fonction du poisson que vous utilisez. Je rappelle qu'en fait, les poissons, vous pouvez avoir des bronzes, des argents et des golds. Ok? Et bien, si vous faites une cuisine avec un poisson bronze, ça va durer 20 minutes. Argent, 25. Et or, 30. Bon, ça, c'est pour ce buff-là. Bien entendu, quand tu descends, voilà. Ça va courir plus rapidement. J'en ai vu un qui m'intéresse, moi, de ouf. C'est où? C'est là. Je crois que c'est celui-là. Il va falloir que j'aille le chercher. Donc, ouais, c'est. Ah. Si je comprends bien, hein, j'ai fait 10 pelles pour traduire. Normalement, tu fais moins de bruit lors des raids. Alors, il faut une carpe dorée et une perche. Le délire, le problème, enfin le problème, le délire de la cuisine, faut comprendre pour débloquer les recettes. Donc, par exemple, moi, dans ma liste des recettes sur le jeu, je n'ai pas celle-ci. Normalement, je ne l'ai pas. Il faut que je fasse celle d'avant pour la découvrir. Normalement, si dedans, au pire des cas, hey, pourquoi je m'embête? Oui, c'est une vidéo. Enfin, ce que je vais faire là, c'était pas prévu dans la vidéo. À la base, je devais juste vous parler du site. Mais au final, attendez, on va tenter un truc. On va tenter un truc. Je branche mon téléphone. On va aller sur le jeu. On va aller sur le jeu. Est-ce que je peux faire la recette même sans avoir découvert celle d'avant? On va aller sur le jeu, puis on va voir. Donc. C'est une perche et une carpe. On retient ça. Donc hop, on se retrouve sur le jeu. Une perche et une carpe. Normalement, j'en ai largement. Normalement, j'en ai largement. Est-ce que je peux donc découvrir la recette? Même parce qu'en fait, dans la cuisine, vous allez le voir, en fait, il faut faire les recettes une par une pour découvrir la suivante. Donc, est-ce que je peux faire ça comme ça? Est-ce que je peux débloquer directement cette recette? Via le wiki, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ah oui, je voulais partir pour farmer. Bon, on ira après. Ma cuisine est juste là. Mes poissons sont juste là. Et en fait, dans la cuisine, recette. Voilà. Vous avez toutes les recettes. Et en fait, moi, je suis bloqué à là. Donc, c'est du brochet farci. Donc, brochet farci, c'est celle qui est pas juste avant. Elle est trois recettes au-dessus de celle que je veux. Et donc, en fait, celle que je voudrais craft, elle est là. Là où il y en a deux. Là où il y a deux points d'interrogation. Et en fait, le brochet farci, ça fait mouvement across the map is cheaper. Ah, c'est quand tu es sur la map pour te déplacer. Ça prend moins de temps. Donc tu utilises moins d'énergie. Le problème, c'est que moi, du maïs, j'en ai pas. Et je sais pas où en avoir. Je crois que c'est dans les zones de l'ouest du marais. J'ai pas la TV. Et donc, est-ce que je peux débloquer les autres recettes? On a dit une perche et une carpe. On va prendre une perche. Carpe bronze aussi, on va mettre du bronze, on s'en fout. Hop. Est-ce que je peux les mettre? Cuisiner. Alors oui, ça a l'air de marcher. J'en ai pour 42 minutes, on va faire passer. Ah ouais, je l'ai découvert. Je l'ai découvert. Et elle est là. Et ça m'a même débloqué celle d'après.
Et là, la bouffe, c'est vous faites moins de bruit pendant les raids pendant 10 minutes. Donc là, c'est bronze. Si je veux, donc là, je vais faire manger. Voilà. Et en fait, là, si je veux, j'ai une carpe gold et j'ai plein de perches. Et ben, je pourrais faire moins de bruit pendant 20 minutes. Donc, on peut débloquer les recettes, même si on n'a pas découvert celle du dessus. Parce que moi, jusque maintenant, j'avais au départ, t'as une recette, la toute première. Je l'ai faite, ça m'a débloqué celle-ci, que j'ai faite, ça m'a débloqué celle-ci, que j'ai faite, etc., etc. Là, non, on peut faire toutes les recettes, même si on ne les a pas découvertes. Et grâce à ce wiki, on va pouvoir découvrir toutes les recettes qu'on a besoin. Donc je trouve ça cool, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis bientôt au niveau 143. Donc les raids vont pas tarder, donc cette bouffe m'intéresse grandement. Si on peut ouvrir plus de coffres et donc avoir plus de loot, c'est quand même tout de suite beaucoup plus intéressant. Et donc du coup, je vais reprendre ce que disait le viewer dans son commentaire. Il m'a dit, c'est une mine d'or ce site. Et ben là, déjà, rien que pour ça, je confirme. Hein. Rien que déjà là, je confirme. Dès que tu as les recettes, tu peux donc crafter. Dès que tu as les ressources, tu peux donc crafter la recette. Et tu en as plein. Là, tu as 10 d'armure en plus. Ça peut être bien pour les gros contenus. Moi, je vais aller pour la première fois au bunker Bravo d'ici peu. Il faut quoi? Une perche, une carpe et du saumon? J'en ai normalement. T'as quoi? Chance to get a true friend skill when breeding dog is in craze. Ouais, j'ai un accent anglais de ouf. C'est pour augmenter les chances d'avoir meilleur ami avec les chiens. C'est cool. Extra or. C'est quoi de or? Alors de l'or, je sais c'est quoi, mais or, ore. Anglais. Minerai. Ah, c'est juste minerai. Or obtained. Ouais, mais c'est juste. Ah, c'est peut-être quand on va dans les zones du nord, du coup. Protection contre les radiations. Cooldown réduit des skills. Du skill actif des armes. Enfin bref, t'as plein de trucs. Et sur ce site, bah, t'as toute une page. Hein. T'as toute une page, t'as tout. Hein. T'as Explore, donc ce qu'il y a, t'as le game. T'as les saisons. 31 à 40. On en est à quelle saison? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ah, y a que la 37. C'est la saison en cours? Date le 23 mars. End, ouais, ça doit être la saison en cours. Donc ça a l'air d'être entre guillemets mis à jour. Bon, il n'y a pas les items, mais tu vois ce que tu gagnes. Donc ça a l'air d'être mis à jour quand même. Ça a l'air d'être mis à jour quand même. Donc ouais, ça date. Tac, on peut remonter. Donc ça, c'est jusqu'au 12 avril, c'est la saison actuelle. Donc on est à la saison 37. Enfin, maintenant je le saurai. T'as quoi d'autre dedans? Les bugs Squire, je vais sur historique. Wallpaper, le gameplay, donc t'as le guide des débutants, général type FAQ, wall trick, avec le wall trick, game mécanique, location, créature, event, pack, loading screen, les items, que dedans, crafting, tout ça, et other. Enfin, voilà, tu as énormément de choses sur ce site. Moi, je vais le garder ouvert de à côté, hein, si ça peut m'aider, je ne dirais pas non. Et je vous le partage du coup avec vous, parce que beaucoup me posent des questions que j'ai pas forcément les réponses, notamment les recettes de cuisine. Et ben voilà, la réponse s'y trouve. Donc que dire de plus? Rien! J'espère que ça vous sera utile. Moi je vous fais des bisous, éclatez-vous bien. Au moment où vous regardez cette vidéo, nous sommes mercredi matin, normalement. On se retrouve ce soir en live vers 21 h. Tout se passe bien, je vous fais des bisous, éclatez-vous bien, bon jeu, bon farm, bon dodo, bon taf comme d'habitude, tout ça, tout ça. Ciao, ciao.